Ensuite, l'ange s'approche.
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu conserveras et mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils de Dieu. Et son règne n'aura pas de fin. Mais comment est-ce possible? Je ne vis pas encore avec Joseph. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle que l'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon sa volonté. Et l'enfant que tu portes est béni. Lorsque je t'ai entendu, mon enfant a bondi dans mon ventre.
Heureuse es-tu, Marie, toi qui as répondu oui à l'appel du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Marie demeura avec Élisabeth pendant environ 3 mois. Puis, se retourna chez elle. Que Marie était habitée par un mystère qui le dépassait, fut comme secouée par une tempête intérieure de pensées contradictoires. Joseph, j'attends un enfant. Quoi? Mais que faire? Je ne puis donner mon nom à un enfant qui n'est pas d'enfant. Je connais ta pureté. Je ne peux te dénoncer. Mais alors, serais-ce toi Marie, la Vierge, et selon Isaïe, l'enfant est Emmanuel? Et moi, qui suis-je? Je suis un pauvre charpentier. Suis-je vraiment à ma place auprès de toi? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, puisque l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le Seigneur sauve. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Marie.
accordé en mariage à Joseph, descendant de la lignée du roi David. Joseph, reçois Marie ta femme, que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit sur vous. Shalom aleichem. Aleichem shalom. Par édit de l'empereur Auguste, l'ordre est donné à chacun d'aller se faire rechausser dans la ville de ses pères. Qui passe un trône au royaume et descendit de Et mon Dieu, tu es le portrait de ta mère, la splendeur de ton Père du ciel, le plus beau des enfants des hommes. Jésus est ton nom. Je crois qu'il y a un écran, non? Ah, c'est bon. Je sais pas, elle avait l'air de dire la répétition. Une image qui serait projetée sur le mur, peut-être? Bah, je suppose, oui, je sais pas. Elle les a pas projetées l'autre fois. Je pense, oui. Ah, c'est la lumière, non, c'est la lumière. Ah, tiens, non, c'est pas le bazar. Chut, écoutez, mais vous n'entendez rien? Écoutez. Non. Ah oui, d'accord. N'ayez pas peur. Je vous annonce Merci. Une grande nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur aimé. C'est le Christ, c'est qu'on a le Seigneur. Hein. Vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Vous avez entendu? En plus, c'est des papas qui font comme quand j'étais jeune, ils montent leur gamin sur les épaules. Allons à Bethléem, laissons le troupeau ça pour me rappelle ma jeunesse. Ce tendre agnelet, le plus beau de la bergerie. Voici du lait et mon plus gros fromage. Pour vous, nous avons joué nos plus beaux airs de nous. Thank you.
effet une grande surprise, un grand bouleversement dans le petit bourg de Bethléem. Chargés de présents arrivent au seuil de l'étable. Nous sommes des mages, observateurs du ciel, venus de l'Orient. Une étoile nouvelle nous est apparue. Nous savions qu'un astre devait se lever au pays de Jacob pour annoncer la naissance d'un grand roi. Nous avons suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem à sa recherche. Guidés par l'étoile, nous sommes venus avec ses présents pour adorer le Seigneur. Ô dame, voici de l'or, car ton enfant est roi de l'univers. Ô Vierge, voici de l'encens, car ton fils est Dieu. Marie, voici de la myrrhe, car il est aussi un homme voué à la mort. L'enfant vous remercie et vous bénit. Voici de l'encens, car ton fils est Dieu.